En Côte d'Ivoire, la dépigmentation ne cesse de prendre de l'ampleur. Le dictat de teint clair véhiculé par la société et les publicités pousse un grand nombre d'Ivoiriennes à se blanchir la peau. Les répercussions sur leur santé s'avèrent désastreuses. Nous avons enquêté sur les ressorts de ce dictat de beauté pour en savoir plus sur ce phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Malgré l'interdiction par le gouvernement de Côte d'Ivoire des lotions destinées à blanchir la peau, les résultats de cette prohibition sont très relatifs. La course à la peau claire continue à sévir parmi les Ivoiriennes malgré les risques sanitaires élevés. Il n'existe aucun chiffre officiel sur le nombre d'utilisatrices en quête d'une apparence plus claire. Mais depuis plusieurs années, cette tendance gagne massivement les Ivoiriennes. Et de plus en plus d'Ivoiriens de sexe masculin s'initient eux aussi à la dépigmentation. En parcourant les rues d'Abidjan, l'ampleur du phénomène saute aux yeux. Depuis les célébrités jusqu'aux vendeuses sur le marché, en passant par les cadres d'entreprise, nous sommes allés à la rencontre d'une dame qui en fait son business depuis pas mal d'années. Ça produit de bons résultats en fonction du type de peau, en fonction de chaque client. Parce que les produits là, ça adapte à certains types de peau. Donc si tu as pris le bon, je me dis que tu n'auras pas de problème. En fonction de la couleur aussi, de la peau. Mais chaque produit, il y a pour teint clair, teint bronzé, teint noir. Voilà. Donc si tu prends ce qui est adapté à ton type de peau et à la couleur, je pense que tu n'auras pas de problème. Donc, les gens achètent puisque, comme on le dit, il y a plus de femmes. Donc les femmes sont plus dans l'entretien et au don. On n'a pas de souci à se adapter aux hommes. Il y en a plein, donc il y a pour tout type de personnes, que ce soit femme ou garçon, tout le monde trouve son bonheur en fait. Il y a des savons typiquement hommes, il y a des pommades typiquement hommes, il y a des gels de douche, tout ce qui est gamme. Attirer le regard des hommes, se sentir désiré, tel serait le but de cette dépigmentation aliénante en usage dans plusieurs pays africains et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Le soi disparaît peu à peu, régné pour plaire au péril de sa santé. Des réactions divergentes de part et d'autre. Plusieurs femmes sont pour les produits éclaircissants, par contre, d'autres sont contre et déconseillent leurs sœurs d'utiliser ces produits. Ah, je ne connais pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour moi, je connais. C'est moi, mais je fais ma pommade. C'est bon, parce que j'étais partie au village, ça n'a pas fait une semaine, j'ai repris mon teint. Une semaine, ça prend. Ouais, deux semaines là qu'elle a. Non, ça fait rien. C'est pas cher. Je vends 1000, c'est 1000 francs. Maintenant, la complète, c'est 4000. Je paye et puis je ne vends pas. Bah, moi, je pense que la dépigmentation n'est pas une bonne chose. Dieu t'a créé clair. Il faut rester clair. Dieu t'a créé noir. Il faut rester noir. Il faut t'accepter selon ce que tu es. Faut pas dire que comme ma camarade est claire là, j'allais prendre pour mal éclaircissant pour me dépigmenter la peau. Maintenant après, ça va te créer des effets secondaires. Donc moi, je préfère être naturel. Voilà ma petite soeur, ma pommade a ses belles qualités. Ce sont des produits naturels. Il n'y a pas de produits, de produits chimiques, il n'y a pas, c'est naturel. Ça vient de Korogo. Ça vient de mon village. Oui, oui. Ça a des bonnes belles qualités. Mes chéris, mes soeurs, restez telles que vous êtes. Dieu vous a créé noir là, restez noir. Dieu vous a créé clair, restez clair. Souvent on me dit si vous m'avez été noir, mais c'était bon. Parce que souvent là, c'est clair là. Il y a un peu de tigre, d'entretien aussi. Moi, m'avait dit que c'était noir même là. C'était bon, mais je préfère mon teint là comme ça. Parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Si je décide de noyer, parti faire quoi avec chose chatouillon pour me dépigmenter la peau. Non, il ne peut pas. Les pommades importées là, ça aussi là, malgré que c'est cher, mais c'est efficace. Mais pour le soleil là, c'est qu'on met en bas de soleil là. Si on s'en prend ça là, forcément ça va nous tuer, ça va nous faire 2 tons, 3 tons. Donc moi je conseille les pommades importées parce que ça c'est très bon. Et puis ça peut faire au moins 1 à 2 semaines avant d'être éclairci. Donc c'est un peu bon. Sinon, ce qui est les pommades bas la terre là. Pommades importées, quand tu vois, tu connais. Pommades importées là, souvent il y a aussi qui est 10 000, 15 000. Ou bien, mais pour mettre bas la terre là, c'est 1 francs, 1 500. C'est ce qui fait la différence. Tes couleurs. Bon, les pommades, oui, les résultats sont bons. Les pommades importées là, c'est parce que nous-mêmes on refuse. Quand tu te pommades matin, tu te pommades le soir,
Mais tu ne peux pas te pommader matin pour te promener en bas de soleil. Ce n'est pas possible. C'est ce qui donne fa là, deux yeux là. À elle, les mamies, les champignons, tu vois un peu. Donc c'est ce qui fait que c'est ce qui fait la différence. Mais les pommades balata aussi là, même à midi ou bien matin avec le soleil là, forcément ça va te donner champignon. C'est pour balater là, parce que nous autres là, on n'a pas l'argent. Donc on préfère ce qui est 2500, les 3000. C'est quand on a les bons gars là, ceux qui décaissent bien là. C'est dans ça maintenant, on peut prendre pour 25 000, pour 15 000 ou bien pour 20 000 là. Bon, ceux qui ont les peaux fragiles, ça dépend. Par exemple, moi, je n'ai pas, ma peau est fragile. Donc quand c'est comme cela là, c'est compliqué. Parce que tu peux aller prendre quelque chose de 300 et puis l'autre prend quelque chose de 1000 francs. Maintenant pour toi 300 là, ta collègue va dire, hey, ma chérie, ton visage est bien chic, hein. Où tu as payé, c'est pour 300 là. Ah, moi, je prends pour 1000 francs là. Regarde comment ça m'a rendu. C'est pas la même chose. Tu vois, c'est ce qui fait la différence. Ils savent comment utiliser. C'est parce qu'ils refusent de faire. Tu vas venir payer mes pommades chez moi. Moi, je vais te dire, il faut utiliser uniquement que les nuits. Il ne faut pas utiliser ça matin. Tu vas accepter pour moi là. Tu vas faire pour matin. Tu vas, pour que ça n'a qu'à aller vite, vite là, tu vas faire matin, le soir. Or, ce que moi j'ai dit là, si tu fais pour le soir, ça va aller bien. Mais si tu fais matin à midi, ça là, tu vas avoir mamie. Ou bien, donc ils savent comment faire, mais les gars refusent. Ils veulent que ça n'a qu'à aller vite, vite. Mon gars n'a qu'à voir que c'est bien ciré et si joli. Moi, ma pommade, les pommades, on fabrique, c'est fabrication. Ce que les garçons fabriquent, ce qui est bon. À part ça, les produits cosmos, ça. Quand ils utilisent ça, souvent ça met dans les végétaux, souvent ça met dans les taches. Vous pouvez prendre les pommades que les garçons tapent et puis les savons qu'on tape aussi. Bon, c'est ce qui est bon. Non, ça dépend. Quand le pommade est bon aussi, si tu as trop fait, c'est une semaine, souvent deux semaines aussi, comme savon, comme la pommade. Bon, moi, en tout cas, c'est pas tous les pommades qui vont être moins. Souvent, les pommades qui sont dans le marché, quand ils payent, ça ne va pas être moins souvent. Souvent aussi, quand il peut aussi, ça met dans les boutons, les fessions. Bon, souvent, il ne prend pas. Bon, c'est les pommades fabrication là, qu'ils utilisent beaucoup. Puis, beaucoup de filles, qui sont là, qui sont sur le marché, par exemple, plusieurs fois, donc, on n'est pas les vraies pommades. Il y a d'autres qui ont pour les pommades aussi, ça ne va pas eux. Ça met dans les végétaux, les doux visages sur leur corps, les taches sur leur corps. Bon, beaucoup d'hommes préfèrent prendre les garçons, ce que les gens fabriquent. Bon, moi, ce qui va et moi, c'est ce qu'on fabrique qui va et moi. Sinon, ce qui m'a même acheté pour venir ménager, ça ne va pas et moi. Moi, j'ai demandé si tu vois les pommades, qu'est-ce qu'ils voient eux réellement. Pas qu'on prend ça comme ça pour se pommader. Ils ne les connaissent pas. Au moins, si par exemple, des morons, les gens de Fossoumane, ils connaissent ce qui est bon pour eux. Bon, à mon avis, je crois que la dépigmentation de la peau, c'est pas bon, c'est bon. Souvent, il y a les gens qui prennent des produits pour exagérer la peau, pour gâter la peau. Alors, souvent, la peau aussi a besoin d'être propre. Quand la peau est sale, il faut des pommades pour se pommader pour que la peau soit propre. Mais si toi tu prends quelque chose qui est plus fort que ta peau, que tu prends, mais ça va gâter la peau. Donc c'est pourquoi, moi en tout cas, moi j'utilise des pommades hydratantes pour bébé. Non, donc ce qui est bon, souvent je mets des crèmes qui ne sont pas trop fortes dans ma pommade pour que mon teint soit plus propre. Mais pour prendre des pommades plus fortes que le teint aussi, ça c'est pas bon. Que la peau, parce que la peau même là, c'est... Genre c'est faible puis c'est fragile. Donc il ne faut pas prendre des choses qui peuvent nuire ta peau encore. Bon, dans la vie là, chacun a ses idées, chacun a sa vie. Ça dépend d'elle ce qu'elle veut faire. Moi en tout cas, ce que moi j'aime faire, c'est pour rendre ma peau propre. Quand c'est sale, je rends ma peau propre. Souvent il y a des savons, tu te laves, ta peau est propre, c'est chic, c'est bien joli, sans problème. Mais dépasser encore le degré de ma peau, je ne suis pas dedans. De la manière Dieu m'a créé, j'aime ça. Donc je n'aime pas exagérer. En tout cas, ce que moi j'ai à dire à mes soeurs, c'est de ne pas trop exagérer. Tu peux prendre des pommades simples pour arranger ta peau, mais exagérer après, mettre des fards, des mamies, des choses là, vraiment, c'est pas joli et puis c'est pas bon aussi. Parce que la femme, quand tu es belle, c'est bon. Mais exagérer là, vraiment, je n'apprécie pas. Ça, c'est pas bon. Malgré les mises en garde des médecins, les pratiques perdurent et les produits éclaircissants pullulent.
certains sous des noms évocateurs, par exemple Glow and White, Lueur et Blanc, ou du savon aux vertus blanchissantes, Mousseau Bain. Et surtout, la pratique est accentuée par l'influence grandissante exercée par certaines industries cosmétiques par le biais des publicités omniprésentes dans la presse féminine. En mai 2015, afin de freiner l'expansion du tchatcho, argot péjoratif pour dénommer la dépigmentation, le gouvernement ivoirien a adopté un décret prohibant la vente de produits éclaircissants. Mais 7 ans plus tard, l'impact reste dérisoire. La phase consistant à retirer les produits interdits du marché promise par la ministre Goudou Kofi dans un entretien à l'AFP en août 2015 n'a pas vu le jour. Les visages éclaircis s'affichent toujours sur les panneaux publicitaires. Mais qu'en pense le grand public? Nous avons recueilli les avis du grand public et c'est ce que nous allons découvrir dans la suite de ce reportage. Bonsoir chérie. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Ok, ce soir on a une petite question pour toi. On aimerait savoir si les produits que tu utilises là, si c'est très bon, si ça t'a jamais donné de phare, de mamie. En tout cas, si c'est bon toi. Et puis on veut savoir si c'est toi-même qui fabrique tes pommades ou bien tu achètes. Ce sont les produits importés ou bien les produits sur le marché. C'est les produits importés que j'utilise. En tout cas, c'est très bon. Même quand mes soeurs utilisent. Quand tes soeurs utilisent, c'est bon. Ce sont les produits importés. Oui, oui, c'est les produits. C'est pas trop cher. C'est pas trop cher. Mais depuis que tu utilises, ça t'a jamais donné de phare? Non, ça me donne pas de phare, mais ça me donne des végétules. Les végétules? Oui. Quand ça te donne les végétules là, qu'est-ce que tu te dis après? Tu vas laisser ou bien tu continues? Bon, je continue puisque ça me rend toujours belle. Non, je continue. Ça te rend belle, donc tu continues. Tu ne te décourages pas? Je ne peux pas me décourager. Va te décourager? Non, non. Puisque c'est ce que tu veux? Oui. Ok, chérie, coco. Ton teint te plaît comme ça. Ton teint te plaît comme ça. Ok, ça c'est bien. Si on va se dire au revoir. Bonsoir. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien. Ok, ce soir, on aimerait te poser une petite question. Que penses-tu de la dépigmentation de la peau? Tu as dit les produits éclaircissants là. Qu'est-ce que tu comptes de ça? Parce qu'il y a d'autres qui prennent, ça les donne mamie, ça les donne faille, il y a d'autres qui prennent, il y a les kento. Ça dépend. Ça dépend. Tu prends les produits forts. Et les produits, on ne peut pas ça au feu. Comment tu mets ça sur ton corps? Mais oui, c'est pas la possible. Les pommades de corps, on met ça au feu, on peut écrire ça. Mmh. Toi, tu prends, tu mets ça sur ta peau. Quand tu en es, mamie, va prendre les pommades bien chic-chic là. C'est ça. C'est pas trop clair. Je ne suis pas trop bronzée, c'est pas joli. C'est joli. Comment? Mais qu'est-ce que tu peux dire à tes soeurs qui prennent à mes soeurs forte, qui les donnent mamie, végétus? Ok. Bon, végétus, au moins ça peut comprendre. On peut comprendre un peu. Voilà, mamie, elle est bizarre. Moi, je dis à toutes mes soeurs, ne prenez pas les produits forts là. Les tubes bizarres, les huiles bizarres. Ça qui nous fatigue, ça nous les mamies. Prenons les laisser pour ce format là avec les gels de bouche. Bonsoir chérie. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Ok, c'est ça, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que tu prends des produits éclaircissants? C'est-à-dire les produits qu'on prend pour se pommader là. Est-ce que toi quand tu prends là, ça va avec toi? Ça va avec moi. Ça va avec toi? Oui. Quand ton corps là, ça prend vite. Oui, ça prend, ça fait 3 jours qu'on les prend. Mais que penses-tu des filles qui prennent et puis ça les donne kento, les mamies, les champignons sur le visage? Ça dépend si tu prends les produits qui sont forts. C'est ça qui fait, ça dépend. Quand tu prends les produits qui sont forts là, tu peux avoir fat, tu peux avoir mamie. Avec le soleil, bon. Avec le soleil là. Donc quand il y a le soleil, il faut éviter de prendre les produits qui sont forts. C'est pas bien. C'est pas bien en tout cas. Mais toi tes produits là, tu achètes ou bien c'est toi-même qui paye et puis tu mélanges? Non, je ne mélange pas, c'est simple. C'est simple. Mais c'est toi-même qui fait ton mélange ou bien? Bon. C'est mon papa qui achète à la pharmacie. Non, c'est une commande pharmaceutique. C'est à la pharmacie. Hein. Ce n'est pas les produits en vente, 1500, 2000. Hein. C'est pas ça. Ça quitte directement la pharmacie. C'est-à-dire que c'est frais même. Oui, c'est frais. Ça quitte directement dans le clim. C'est glacé comme ça. Ma peau est fragile en fait.
Même si je prends un petit pommade, bon, ça m'éclaircit. Ça m'éclaircit. Mais je dis bon, beurre de karité. Comment? Beurre de karité. Beurre de karité, ça m'éclaircit pas. Ça m'éclaircit. Parce que c'est bronzé. Non, je parle de bronzé. Ok, chérie Coco, si on va se dire au revoir. Bonne soirée. Ok, merci. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Ok, ce soir, j'ai une petite question pour toi. J'aimerais savoir. Qu'est-ce que tu prends des produits éclaircissants comme sur le corps? La dépigmentation de la peau. D'abord, moi, je suis contre la dépigmentation de la peau. Voilà. Parce que ça dégrade la peau, ça rend la peau fragile, au fait. Tu comprends? Et puis, ça donne des effets négatifs à la peau, comme peut-être le cancer de peau. Ça, voilà. Ah bon? Du coup, moi, en tout cas, je n'utilise pas de produits. Voilà. Tu n'utilises pas de produits? Non. Tu n'as jamais utilisé aussi? Non. J'utilise seulement que des pommades que mon truc me commande au fait, me recommande au fait. Ton dermato. Voilà. Tu utilises des produits que ton dermato te recommande. Oui, justement. Voilà. Tu n'achètes pas les produits avec des femmes là. Non, non. Du cosmétique. Non, non. Tout ça là, ça donne des effets négatifs. Ça donne des effets négatifs. Ça donne des effets très, 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 très négatifs. Et puis ça rend la peau très fragile. Aujourd'hui même, nous avons plusieurs exemples des personnes malades. Voilà, des personnes malades et tout. Mais les produits que ton dermatologue te conseille et te recommande là, ça fait combien de temps avant de voir les effets? Bon, il n'a jamais fait la remarque. Hein. Moi, je sais juste que quand je prends, je n'ai pas de soucis de peau en fait. Voilà, je n'ai pas de soucis de peau, je n'ai pas de cernes ni rien. Pas de cernes, de mamies. Non. Tu préfères prendre ça, je préfère continuer dans ça que de prendre certains produits qui vont me créer des problèmes demain. Et puis après, tout aussi la dépigmentation aussi de la peau, c'est quelque chose de honteux. Souvent, quand ça marche, c'est déjà bon. Mais quand ça ne marche pas, que ça foire, ça devient autre truc, c'est un peu une honte bizarre. Ah, d'accord. Merci chérie Coco, si on va se dire, bah, bonsoir. Merci. Bonsoir chérie. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va. Que penses-tu des produits éclaircissants qu'on utilise sur le corps? Ça donne végétu. Si c'est pas bon pour mat, ça donne végétu ou soit mamie. Non, c'est pas bon pour mat, ça donne végétu ou mamie. Mais si c'est bon pour mat, là, ça va. Oui, ça va. Mais est-ce que toi, tu es sûr que toi, ta pommade, tu utilises, si ta soeur utilise, ça sera. Bon, ça va la peau, ça sera la même chose. Son teint sera la même chose comme toi. Pourquoi? Parce que c'est pas la même chose, c'est pas même. C'est pas même corps là. Oui. Ah, sûr, comment bien? Quand c'est pas même corps là, si toi, tu utilises, qu'elle utilise, ça va pas prendre aussi. Ça va pas la pointe. Mais toi, ton teint là, tu mets pommade dessus, bien c'est naturel, ou bien c'est beurre de karité? C'est pommade importée. C'est pommade importée. Mmh. Ah, la pommade importée là. Et puis la pommade d'ici là, quelle est la différence? La pommade importée est bon. La pommade importée est bon. La pommade importée, d'autres disent que c'est cher. Ça dépend. Ça dépend. Oui, c'est cher. C'est bon. C'est cher, mais c'est bon. Ça peut coûter combien comme ça? C'est que moi, je paye là 15 000. 15 000? C'est toute la gamme. Oui, elle est. C'est l'argent. Ah, ça va. Mais tu ne peux pas t'acheter un carreau à 500? Non, il ne veut pas. Mais le carreau de 2. Ah, c'est pas bon, ça gâte quoi? Non, c'est pas bon, ça gâte quoi? Quand oui. Tu peux faire importer à 15 000. Oui. Non, même si on dit 30 000, tu as acheté. Je paye. Tu peux l'acheter. Moi, ton temps est zone. Qu'est-ce que tu peux dire à tes soeurs qui utilisent des produits, qui ont les mamies, qui ont les femmes? Ce que je peux dire, mes soeurs, prenez pommade importée. Prenez pommade importée, c'est bon. Pommade importée, c'est bon. Ok, chérie Coco, si on va se dire, bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir, chérie Coco. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va. Que penses-tu des produits éclaircissants qu'on utilise? Bon, moi, je pense que ce n'est pas un problème d'argent. Les pommades pharmaceutiques, là, c'est mieux que les pommades au marché. Ah bon, hein? Oui. Moi, je pense que vraiment, c'est... Bah, il y a une pommade qui était sortie un moment, là. Perfect Wax. Perfect Wax. Perfect Wax. Ça seulement si tu prends. La mettre. Si tu prends, ça te rend zone, même après, ça gâte ton corps. Après, ça gâte ton corps. Donc, moi, je préfère les pommades pharmaceutiques, les pommades importées en tout cas. Les pommades importées. Mais les pommades pharmaceutiques, là, c'est qu'on prend, là. Ça a même effet avec. C'est lent, mais avec le temps, là. Ça, ce que tu veux là, ça revient à ça. Non, la pommade est importée et puis pharmaceutique, oui, celle-là. Voilà, mais ça fait effet après. Ça fait effet. Et le produit? C'est mieux que les produits au marché. Là. Les produits au marché, 1500, 2000, c'est pas bon. C'est pas bon. Ah, savons que moi-même, je me lave là. Prix d'en gros, c'est 8000. Hein? Oui. Tu vas voir mon corps, t'aimes à ça. En tout cas, ton teint est zone. Je ne me pommade pas. Le prix d'en gros est 8000 là. Imagine en détail. Au moins, ça peut être 12 000 comme ça, 15 000 comme ça. Je sais que tu as l'argent, ou bien c'est monsieur qui paye. C'est pas une histoire d'argent, simplement qu'il y a mon corps, il n'y a pas que mon corps, c'est gâté. C'est-à-dire que quand tu veux, là, tu peux. Voilà. Quand c'est ton teint, là, voilà. Tu peux tout faire pour ton show, tu peux.
tu fais à tout moyen pour pouvoir te satisfaire, tu vois, non? Ah, d'accord. Donc, comme c'est à cause de ça, là, voilà. Tu veux rendre ton teint zola. Voilà. Même si on dit 17 000. Voilà. 25 000. Tu as acheté. 30 000. C'est l'homme qui cherche. Moi, mais tes soutiens, c'est l'homme, qui cherche l'argent. Mais qu'est-ce que c'est? Ok, chérie, que si ça va, c'est dit au revoir. Bonsoir. Merci de rien. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien. Ça va bien, merci. Ce soir, j'ai une petite question pour toi. Que penses-tu de la dépigmentation de la peau? Je pense que la dépigmentation devait arrêter puisque ça gâte le corps et puis dans l'année à venir, on ne pourra plus te regarder ton visage. Oui, il y a des fards qui vont sortir ton visage, on ne pourra même plus te reconnaître. Ah bon? Donc, tu vas changer complètement. Mais ton visage, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'aime pas. Toi, c'est naturel. Donc, c'est naturel comme ça? Oui. Tu n'as pas de fards? Non. C'est quoi ces fards? Toi-même, il faut voir où bien. Ah, c'est quand tu n'as pas fat, n'as pas mamie, quand tu dis que tu es naturel. Pas forcément, mais il y a des produits qui sont sur le marché maintenant, de nos jours. Quand tu prends, deux ou trois jours après, tu deviens deux tons, je ne sais pas, tu as les quintos, tu as les phares là. C'est pas normal. Ça, ce sont les produits du marché là. Oui. Mais toi-même là, c'est quoi tu utilises? Moi, c'est beurre de karité. Beurre de karité seulement? Oui. Simplement comme ça? Simplement. Et puis ton teint est joli comme ça là? Oui. Ah, je confonds ma ferrée un peu. C'est beurre de karité. C'est ma grand-mère qui m'a conseillé. C'est ta grand-mère qui t'a conseillé. C'est la bombe de karité. Est-ce que c'est que toi tu utilises là? Si ta soeur prend la même chose là, parce qu'elle aura même teint que toi. Bon, chacun a son teint. C'est pas chacun a sa peau. Chacun a sa peau. Peut-être que ça peut la prendre comme moi, comme ça peut pas la prendre aussi. Peut-être que ça peut la rendre bien chic que moi, je sais pas. Ah, ok. Mais que penses-tu des filles qui utilisent des produits forts? Les pommades fortes, voilà. Moi, je pense qu'elle devait arrêter parce que ça ne donne pas bonne image d'elle. Elle devait arrêter sur le nom de produits. Ok, mais toi, tu ne penses pas que bah, de nos jours, là, beaucoup de filles utilisent des produits forts, les cissons. Elles se disent qu'elles utilisent. Elles sont belles avec ça. Bon, c'est ça, c'est bon. On peut dire que la majorité fait ça à cause des hommes. Et les hommes, là, de nos jours, ils disent quoi? On veut les filles claires. Donc, quand c'est comme ça, là, elles aussi, elles sont décroisées. Elles sont obligées de partir prendre les produits qu'ils ont sur le marché pour se dépigmenter. Avec ça, c'est pas normal. Oh, si je comprends, mais la majorité des filles qui voilà, c'est à cause de garçons. Ils éclaircissent les peaux, là. À cause des garçons. C'est à cause des garçons. Mais qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Moi, je veux leur dire que, à faire des garçons, là, on peut arrêter. En cas pour un petit beurre de karité, on va se pommader avec ses pieds, on va sortir. Il y a des pommades à côté, tu ne peux même pas sortir sur le soleil. Mm. Tu es là, tu es obligé d'attendre. Tant qu'il n'y a pas de truc là, tu ne peux pas sortir. Mais il y a parapluie, elles vont prendre parapluie. Même si il y a parapluie, il y a parasol. Il y a parasol. Non. Mais c'est pour ta bras, mais c'est pour tes boubou. Ouais, c'est ça. Elles sont obligées de se promener en boubou. C'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Ok chérie, Coco, si on va se dire au revoir, bonsoir. Okay, bonsoir et merci. Bonsoir chérie. Bonsoir. Comment vous allez? Bien. Ok, yes. Que pensez-vous des produits éclaircissants que les filles prennent de nos jours là, pour s'éclaircir la peau? Bon, moi je pense que c'est pas bon. Parce que quand les filles la prennent pour s'éclaircir, après, ça donne de l'effet. Genre après, ils ont des mamies sur les visages, des trucs comme ça bizarre. Donc moi, j'aime pas. Donc moi, je préfère rester comme ça. C'est bien. Simple. Mais quand tu dis ça, c'est pas parce que les produits là sont chers que tu ne peux pas acheter. Que non, tu c'est, pas, ça, c'est pas ça, en fait, c'est pas ça, c'est pas acheter. Mais je préfère, il y a un jour où je préfère rester comme ça. Je préfère rester comme ça. Voilà, tout le monde a sa manière de voir les trucs. Donc moi, je préfère rester comme ça. Ton chéri t'aime comme ça. Voilà, il m'aime. Ton entourage. Wow. Qu'est-ce que pensez-vous? Oui, bonsoir ma chérie. Bonsoir. Produit là. Chez moi, en tout cas, moi, je prends. Quand tu prends? Je prends. Ça va être toi? Bien même. C'est importé ou bien c'est quoi on va ici? Non, c'est importé. C'est importé. Moi, je ne mélange pas. Et puis, mon chéri aussi est fondé. Ton chéri est fondé. Femme même. Et puis, même si c'est cher, là, il donne l'argent. Il va payer. Ah, il va payer. Il va payer parce qu'il veut que sa femme, le cas, devienne belle. Moi, je connais, c'est Mariam, je connais. Ah, il veut que sa femme, le cas, devienne belle. Donc, moi, je prends, il utilise. En tout cas, je n'ai rien sur mon corps, je n'ai pas de mamie. Tu n'as pas de végétine? Non, rien. Végétine naturelle. Là, ici, moi, il n'y a pas de collant pour mettre bailler en haut, là. Ça le séduit. Hein? Ça brume. Mais qu'est-ce que c'est? Aïe. Mais chérie, qu'est-ce que tu peux dire de ça? Pardon? Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Tout ce qu'on a. C'est pour les garçons, mais comment souvent, mais lui, mais il paye pour moi. Il paye une pommade là pour toi? Oui. Souvent, il s'en a la pharmacie, il paye tout ça pour moi. Moi, mais, quand il... mais souvent, quand tu prends un produit là, tu dois payer parfum quoi. Parce que tant que tu te pommades, il n'y a pas parfum. C'est pas bon. Tu sens souvent. Il y a une odeur. Voilà. Mais c'est pas le neuf. C'est pas le produit que tu utilises. En tout cas, c'est pas le neuf. Il y a des produits. Il y a produits n'importe quoi. Puis il y a le vrai. Bien tu es tous le vrai. Ça ne va pas te sentir mauvais. Mais toi, tu ne te lèves pas bien là. Toi, tu vas te pommader là. Ah, tu vas te sentir mauvais.
En ça, cas, c'est sérieux. Donc, quand tu es noir comment là, mais tu te pommades là, mais tu te l'as pas bien là. Tu vas sentir. Si on dit femme là, c'est bon odeur. Mais là, à propos de ce que ma soeur a dit tout de suite là, elle dit qu'elle prend produit. Mais elle peut prendre. Maintenant, ça fait rien. À vous, quand c'est qu'elle va au fur et à mesure qu'elle prend là. Dans l'avenir. Voilà, dans l'avenir, après là, ça fait quelque chose. Ça lui fait quelque chose. Mais quand il laisse ça, souvent quand il laisse ça, tu deviens comme vieille. En fait, tu n'es pas vieille. Mais ça dépend. Maintenant, c'est ce qu'elle dit là, ça dépend. Il y a pommade ou bien il y a savon. Pommade et savon, c'est pas même chose. Souvent, même quand tu prends pommade, tu maigris. Pommade, mais ça tisse. Oui, c'est vrai. Pommade, ça tisse. Parce que il y a les gens qui prennent médicaments de grossesse, ça c'est pas de la faute, ça prend des médicaments. Et pommade. Parce qu'il y a des filles, 10 pommades devant ménageance. C'est pas normal. Il y a toutes les couleurs de pommades qui sont dans une seule pommade. Donc c'est comme ça, Paul a besoin de repos. Quand tu te pommades là, tu veux te rendre belle là. Souvent, même quand c'est un jour là, tu vas laisser, tu n'es pas né comme ça. Les produits qu'on prend pour se rendre belle là, maintenant, fait très intense. Parce que le produit, ça gâte le corps. Aujourd'hui, nous, on a pris. Mais nous, c'est qu'un naturel, on a resté naturellement. Mais nous, on a pris, là. On va partir doucement. Parce que c'est déjà gâté. La beauté, là, on est fier de ça. Ça, ça c'est pas de nos foutre, ça démonte. Ça demande. Ça demande. Moi aussi. Même quand tu vas foutre, tu veux être belle quoi. C'est pas forcément quand tu apprends. C'est pas forcément quand tu apprends. C'est pas forcément quand tu apprends. Mais attends qu'une femme, même souvent, quand tu te laves là, tu dois, même si ce produit 500, tu baisses. Quand tu manges, tu vas embellir ta main. Ça brûle quoi. Ça n'a qu'à brûler. Ça va brûler. C'est ça, ma chérie. Ok, chérie, merci à vous. Si ça va, ça va bien. De rien, merci à toi. Merci à toi. Bonsoir chérie. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va. Qu'est-ce que tu penses de la vie? Allez, t'as fait un peu. Bon. C'est tellement dit. 10 ans, il n'a qu'à prendre bon pommade pour les pommades. Tout le monde, nous, on est dans tout le sang, tout le monde nous a fait faire au bas. C'est pas bon pour le corps. Ah, il faut que ça va sourire à ma cœur qui vient de chier. Ça va pas de sourire à effet. Pour d'autres là. Elle fait comme ça, l'être n'a qu'à devenir jolie. Pour nous là, on ne se force pas. Moi, mais je ne me force pas. C'est bien de carter, je me pommade. Ça. Tout ce que je gagne là, c'est ça, je me pommade. Mon teint là, ça me plaît comme ça. Tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de sourire. Avant que tu aies fait ça, faut travailler. Si tu as gagné un bon travail là, teint là, ça a sorti. Après l'argent là, après, je ne sais pas comment dire. Mais la voix française là. Faut parler. Après la santé là, il y a tout dedans. Si tu as une bonne santé là, tu peux faire tout. Mais les filles là, elles, faut voir celle-là. Elle s'est pommadée. Si tu vois son corps là, ça te fait comme un poids. Elle n'a pas bon corps. Celles qui prennent les produits. Voilà. Ça devient, on ne peut pas porter les petits habits. Pour nous là, non, là on porte n'importe quel habit, on sort, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va. Ok, ce soir, il y a deux petites questions pour toi. La première question, que penses-tu de la dépigmentation de la peau? Dépigmentation, produit après pour éclaircir la peau, là, ça dessert pas. Ah. Yep. Tchatcho. En tout cas, devant moi, tchatcho n'est pas bon. Tchatcho n'est pas bon? Non. Pourquoi tu es déjà ici? Hein? Tu es déjà ici? Oui, il y a déjà fait, mais maintenant, il ne prend plus. Tu as déjà fait? Oui. Je peux m'expliquer un peu. Pourquoi tu as arrêté? Parce que tchatcha, si tu prends tchatcha, si tu dis au machin, ça n'est pas sur toi. Donc, à fa, là, tout le monde m'a parlé. Et puis, il y a des fa. Elle est petite, mais elle a fa. Sa mamie aussi, tu sens. Tu peux pas t'asseoir à côté de quelqu'un aussi. Mais est-ce que toi, t'es sûr que tu prenais les vrais produits? Oui. Pas les produits de 703. Moi, je ne prenais pas les 3 pommades à 500. Non, c'est pas ça. Les produits que moi, je prenais les gens. C'était importé. C'était combien? Moi, je prends ça à 5 000. Mon pommade à 5 000. Ça vaut aussi à 5 000. Donc, après, c'est à cause de l'argent que tu as arrêté ou bien? Non, c'est pas à cause de l'argent. À cause de quoi? Non, c'est à cause des gens. Produit à tout le monde dit que c'est pas bon, c'est pas bon. Tout le monde dit que c'est pas bon. Oui, c'est pour ça qu'il a arrêté. Donc, pour ne pas avoir mamie, fa, tu as préféré arrêter? Voilà, il a arrêté. Et puis, moi, je suis venu sur le soleil. Il va sur le soleil, donc il ne peut pas prendre produit pour mettre dessus. Comme tu vas sur le soleil, tu vas prendre produit. Voilà. Mais pourquoi tu vas prendre produit? Quand on prend produit et puis on reste sur le soleil, ça fait quoi? Mamie sort sur toi. Tu sens. Fais sort sur toi. Tout le monde va parler. Il faut la regarder. C'est pas bon. Ok, chérie Coco, si ça, on va se dire au revoir. Bonne soirée. Merci. À toi, les mêmes. Merci.